Donc on est le 12 janvier, on est donc en contact avec le guide d'Isabelle. Isabelle, est-ce que vous me permettez d'enregistrer cette communication? Oui, je le permets, Valérie. Merci. Alors, le 12 janvier 2017. Donc vous avez déjà le visage de votre guide, qui est un homme et qui s'appelle Antoine. Et on va donc, je vais commencer par dire bonjour Antoine. On laisse parler derrière, et à ce moment-là, une fois qu'il aura fini son monologue, entre guillemets, vous interviendrez, vous poserez toutes les questions qui vous conviennent sur votre spiritualité. Alors, bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. C'est un bien grand jour pour toi, mais aussi pour moi. Nous voilà face à face. Comme autrefois. Tu t'en doutes? Nous avons partagé bien des choses. Je suis un peu ému de cette forme nouvelle de notre rencontre. Car jusqu'à présent, ce n'était qu'une sensation pour toi. Et là, je te retrouve humainement. Sans fioriture. Toi, moi. Comme par le passé. Je vais te parler un peu de nous pour te reconnecter à ce que nous étions. J'ai eu l'immense bonheur de connaître avec toi l'amour absolu. J'étais ton mari. Tu étais ma femme. Nous étions cette continuité de l'autre. Une alchimie. Une fusion. Un support. L'horizon. Toi et moi, ne faisions qu'un.
C'est un peu pour ça. Qu'aujourd'hui, tu cherches une forme différente de l'amour. Tu vois, je vais te libérer d'un poids sur l'inconscient. Tu ne peux trouver sur cette terre l'image que tu te fais actuellement de l'amour, car celle-ci est faussée. Par ma présence à tes côtés, accepte sur cette terre les différences de pensée, de choix, accepte l'autre dans ce qu'il est. Aime-le pour ce qu'il vit . Partage avec l'autre ce que tu es. Mais n'attends pas que ce soit au-dessus de ce que peut donner l'être humain. Je reviens à nous, à notre amour. Nous avons avancé, main dans la main, sur une même idée. Le soin de l'autre. Le soin à l'autre. Nous travaillons les herbes, les positions des mains, le soin du corps et le soin de l'âme. Tu comprends mieux. Ton métier de thérapeute, d'enseignement du bien-être que tu exerces dans cette vie, une reconversion. Venu au bon moment. C'était le moment. Longue fut notre vie.
heureuse, légère, libérée. Et puis, toi et moi, vieillissant, dans la douceur. De notre foyer, la tranquillité, une fin de vie, ma fin de vie, le souffle manquant. Je suis partie dans tes bras, te promettant de revenir à toi, quel qu'en soit le moyen. Et ce moyen, l'amour m'a guidé. Je suis là, Isabelle, près de toi, remplissant tes vides de vie, de mon amour. Te guidant vers ta lumière, je te rappelle ma promesse, je serai toujours là pour toi. Merci de m'avoir épaulé à cette époque, de m'avoir soulagé de mes douleurs, merci d'avoir été cet être de lumière, tourné vers l'amour, merci à toi qui a été mon épouse, je t'aime. De cet amour éternel qui n'existe pas dans votre monde. C'est cet amour qui te guidera vers un bel, amour terrestre. Alors vous avez le temps de prendre 2 secondes pour laisser retomber un peu l'émotion. Qu'est-ce qui dégage cette émotion? L'amour. Je dis déjà bonjour Antoine et puis
Merci pour tout ce que tu m'as dit là. Je ressens bien l'amour dont tu parles. Je sais qu'il a existé entre nous. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à rechercher celui-ci sur Terre. Mais voilà. J'avais vraiment la sensation d'avoir vécu tout ce que tu dis, mais sans en être vraiment sûre. Enfin, aujourd'hui, je sais, c'est ça.